Oh mon Dieu, mais quel est ce jeu? Regardez. Ah, un véhicule volant. Un véhicule volant avec des armes. Un véhicule volant avec des armes et des flammes. Un véhicule volant avec des armes et des flammes et des intentions probablement belliqueuses. Mais ça serait pas le mien? Oui, on va dans Cloud Cutter. On va dans le nuage, quoi. Et on va faire quoi? On va essayer de renouveler le genre du shmup. Est-ce que ça va être possible? Si pour vous, tirer sur des ennemis qui défilent les uns après les autres au-dessus d'un scrolling horizontal ou vertical, c'est nouveau, bah, bienvenue dans le monde réel, Néo. On y va. Je sais pas où je mets les pieds. Alors, c'est un shmup qui apparemment a tout pour être hyper réaliste. Oui, hyper réaliste. Regardez-moi ces textures soyeuses. On pourrait presque les toucher. Et avec le stick gauche, on peut bouger l'avion. Tirer. Il tire tout seul. C'est assez miraculeux. Par contre, je peux rajouter des missiles avec la gâchette de droite. Et je cherche, hein, je fais les touches là. Bim. Et voilà pour l'instant. On va peut-être trouver des armes en route. Oui, beaucoup, beaucoup de réalisme, bien entendu. Alors, des attaques d'ennemis volants, des attaques d'ennemis au sol. Il va falloir gérer ça un petit peu pour pas être débordé, je pense. Mais penser dans un shmup, c'est quand même la dernière des choses à faire. Oui, j'ai pas bougé parce que j'étais en train de faire la balance du jeu. Dans d'autres os, je peux pas être de partout. Je suis Monsieur K et je n'ai que deux bras. Ce sera le dicton du jour. On se soigne. On y va, on y retourne. J'ai salement morflé ou c'est moi? Alors, est-ce un shmup de débutant? Ah, certainement. Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas, mais on y va. Regardez. Est-ce que je pourrais avoir d'autres armes? D'autres tirs? D'autres... je sais pas, moi, des trucs rigolos. Par exemple. Oula, ça commence à canarder là. Oula. Apparemment, il y a une gestion de ce qui encombre le sol qui est assez particulière à faire. Après, niveau pattern, bah, en fait, il y a un truc qui est surprenant, c'est que le jeu a pris le... l'option de se mettre en full screen. Et aujourd'hui avec nos écrans ultra wide, bah voilà le résultat. Ça vient de tous les côtés mais on voit venir loin quoi. Et ça rompt un petit peu le charme du bon vieux shmup d'antan, qui dans son 4 tiers étriqué, ne manquait pas de nous faire quelques suées. Ah oui. Oui, 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 oui. À moi ça. Ah je passe. Special Power, alors c'est pour faire des gros, des énormes, des gigantesques massacres. On ne donnera pas la touche avec laquelle il faut le faire. Si, c'est X. Merci, c'est gentil. On va se garder ça pour un boboss. Hein. Mais bon, en tout cas, ce titre fait partie des nombreux titres sur lesquels je ne ressens rien. Alors vraiment rien, quoi. Je suis ni excité, ni ébahi, ni déçu, parce que j'en attendais pas grand chose. Ni comment dire? Ni quoi. Ni. Et je ne veux pas un jardinier. Alors c'est important de détruire le décor apparemment, parce que c'est là-dedans qu'on trouve un max de bonus. Et là on va deal un max damage. Là, par exemple. Ah, je peux en placer plusieurs. Oh, ce bordel. Ah oui, c'est mieux qu'au Vietnam, les amis. C'est mieux qu'au Vietnam. Clairement, j'aurais dû garder ce méga tir pour une situation bien plus embarrassante que trois polichinelles planquées dans les fourrés. Parce que je vais quand même leur faire la peau, quoi. On va dire ce qui est.
Alors, le gros dédé qui était planqué sous l'eau. Ouh, c'était rapide, ça. Ouh, c'était rapide, ça. Comment ça, il y a une redite? Ouh, c'était rapide? Ouais, ouh, c'était rapide. Mais vu qu'il utilise tout le temps le même pattern, je vais faire comme lui, je vais faire le connard. Hop. C'est fini. Allez, on rentre à la maison. C'est très bizarre hein, comme shmup. Alors vous essayerez, parce que c'est un shmup très casu, on va pas se le cacher. Où va y avoir, je pense, beaucoup plus une gestion de l'armement à faire que des performances niveau slalom entre les boulettes et trouver les points faibles des ennemis, même si parfois ils ont une bonne taille, genre plusieurs terrains de football. Que voulez-vous dire? Vous parlez d'un complexe sportif? Non, je parle d'un porte-avions! Ratatatata, c'est parti. Bon, le sample, une fois qu'on l'a entendu, 10 fois, c'est bon, on commence à être habitué. Je confirme, au début j'avais le doute, je me disais, oh il est joli ce sample. Mais non, là maintenant il commence à me saouler. Hein, on va utiliser les bons termes. Alors je peux rien lui balancer sur la gueule en dessous, hein, c'est dommage. Parce qu'il est venu pour ça un peu, regardez comme il se présente bien. Pile dans l'axe. Oh, une phase verticale, ça me rappelle un autre jeu. Oh, faut que je retrouve le nom. Il y avait un jeu comme ça des années 90 où les gars s'étaient amusés à faire une phase et verticale et en plongée aussi. C'était assez exceptionnel puisque c'était nouveau à l'époque. Contrairement à ici où c'est pas nouveau. Voilà. J'ai pris cher là. Oui, un bruit de tôle là. Je vais pas tarder à y aller moi. Alors ma commande est un peu vive. Hein. Mes mouvements sont très rapides, trop parfois. Par contre, le jeu est très gentil, hein. Il vous donne vraiment de la life quand vous êtes en mauvais état, parce que vous lui faites de la peine. Capo! Je sais pas vraiment quoi en penser de ce titre, honnêtement. C'est bien pour du casu, c'est bien pour quelqu'un qui a pas connu les années 90. Maintenant, si vous faites partie de ces gens-là, vous aurez sûrement le petit air blasé que je me traballe en ce moment. Oui, mais dans Cloud Cutter, il n'y a pas qu'un niveau. Nous allons passer au niveau numéro 2. Et là, tout va être différent. Pas d'angoisse. On bombardait les arbres et les twists en moins de 2, vous allez voir. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. Ouais, dégagez, dégagez, dégagez. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Oui, c'est le soupir du mec qui a déjà tout vu et franchement, je crois pas que Cloud Cutter va réussir à me tirer quoi que ce soit de positif de la bouche. C'est pas moche. C'est pas laid, c'est pas... bâclé. Mais ça rappelle tellement de ces titres déjà vus et revus qui sont disponibles sur les stores et au travers desquels on s'est déjà ennuyé souvent. Et cette façon de devoir flinguer le sol et l'aérien, c'est déjà vu, déjà revu, déjà survu. Bref, on en a peut-être un peu plein le... Oh, ce qui rime avec U. Merde.
Moi, je trouve ça un peu triste, hein, du coup. Mon conseil, les devs, rappelez-vous, les jeux scrollent verticalement en 4 tiers. Où était leur intérêt? Et là, ils se creusent la tête, ils se frottent le fond, ils font ils essaient de me dire un truc, le mec. Oui, dans les jeux en 4 tiers, souvent ce qu'on faisait c'est... Merde, il est parti mon bonus. La zone affichée était inférieure à celle qui composait réellement le jeu. Et du coup, il fallait se déplacer sur les côtés pour voir ce qui était caché un peu sur le bord. Et c'était chouette. Là, on a tout à l'écran. Tout est présent. Tout est systématiquement sous mon nez. Comme un gros assisté. Comme un gros blaireau des années 2000 qui est incapable de prendre une décision par lui-même et qu'on est obligé de torcher. Donc, c'est cette génération de jeux complètement assistés où on se fait chier, quoi, je vais le dire. Et là, Cloud Cutter réussit totalement. Je m'emmerde. Bravo. Le suspense, il n'y en a pas. Le thrill, il n'y en a pas. Les patterns, c'est du déjà vu, revu, revu, survu. C'est casual au possible. Bref. C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus. Hop, un ennemi au sol qui allume un peu trop. Hop, tu te mets en face, t'attends que ça passe. Eh oui, c'est comme avec Mémé. Mémé fait sa crise parce qu'elle a pas eu son thé. Hop, tu te mets en face, t'attends que ça passe. C'est pareil qu'avec Mémé, j'insiste. Et alors l'armement, il n'y a même pas d'émerveillement dans l'armement, puisque depuis le début, vous avez bien vu, je me coltine les deux mêmes armes comme un crétin. Et je m'emmerde. Le truc tire tout seul, tellement c'est blason. Alors ça, c'est un détail, mine de rien, tu... Autant l'auto-fire, c'est quelque chose de désiré, puisque quand on enlève le doigt du tir, ça s'arrête. Autant le truc qui tire tout seul, là, j'ai relâché tous les boutons, et ça continue de tirer. C'est frustrant possible, ça veut dire que si vous shootez, vous n'êtes pas digne d'être un vrai joueur, puisque ça peut se faire tout seul en automatique. C'est un peu comme comparer un jeu de voiture et une Tesla. Voilà. Ah oui, Tesla même. Ouh, on va faire une petite attaque en piqué, les gars. Oh, elle était brève cette attaque en piqué, je suis déçu, moi je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. J'avais fait les Valkyries. Est-ce que prêt pour... Alors je trouve qu'il donne étrangement, c'est peut-être lié à la difficulté par défaut là, des bonus de soins qu'on se fait toucher. Oui, il les lâche beaucoup plus facilement une fois qu'on a été touché, qu'il y a un truc qui pète, que... vous l'avez remarqué? Ouais, moi aussi. Voilà, j'aurais pas dû venir ici, moi. Du calme, négro. Du calme. J'ai dit du calme, de toute façon... You shall not pass, hein, je suis Monsieur K. J'ai montré plus de 500 shmups. Qu'est-ce que tu me résistes, tête de zbeul? Ah, il est fou, lui. Tu fais pas ça. Je suis Monsieur K, enfin. Cloud Cutter. Le réalisme dans ton écran. Peut-être un peu trop de réalisme et pas assez de fantaisie. C'est certainement ça qui manque à ce jeu. Alors si vous avez un petit neveu passionné de shmup qui vous regarde faire et qui a envie de faire comme vous, mais c'est trop dur, oui, ce titre lui correspondra très bien. Pareil avec la petite cousine. Maintenant, si vous êtes dans une soirée de shmupeux, à siroter quelques élixirs, et que d'un seul coup vous vient l'idée de partager un bon plan, surtout n'évoquez pas Cloud Cutter. Vous risquez de perdre des amis, je vous le dis sans spoiler. On y va. J'ai toujours pas perdu, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Canon Cloud Cutter, troisième. Manquerait plus qu'un autopilote en fait. Comme ça j'aurais même pas à tirer et même pas à bouger, ce serait parfait. Le jeu ultime, le shmup, je vais les contacter ces gars. Je vais leur dire, j'ai le concept ultime. Alors il y a des intentions, on a fait jour, nuit, nuit, jour. Bon, c'est bien. Le principe, par contre, t'as pas bon branché d'un iota. C'est-à-dire, tu te concentres à repérer ce qui arrive sur l'écran. Et quand c'est au sol, t'essaies de démerder, à débarrasser des trucs les plus gênants.
Et c'est bon, t'as bouclé le jeu, hein, Coco, regarde, lui, là. L'autre, hein, tchou-tchou-tchou, a pu, capoute. Capoute, Bertrand. Der Baut. Nicht Baut. Baut, verbauten. Oui, l'allemand de Monsieur K est très approximatif, mais il fait toujours rire les enfants. Et pleurer les animaux. Ou l'inverse, je sais plus. Donne-moi ça, toi. T'en as pas besoin. Moi si. Alors pourquoi je sème la mort et le trouble sur cet écran depuis le début du jeu? Est-ce que vous avez compris ça aussi? Hein? Qui sont les ennemis? Pourquoi autant d'animosité? Pourquoi ne font-ils pas que des missions la journée? Eh bien oui, toutes ces questions resteront sans réponse. Parce que le jeu est aussi intéressant dans sa structure gameplay que dans son scénario d'ailleurs. Parce que le scénario dans un shmup c'est tout, je vous le rappelle. Non, je déconne. Il fallait bien que je tente de vous faire croire que d'un seul coup j'accordais une crédibilité au scénario de shmup. C'est toujours très drôle. Là, je l'ai pris celui-là. Alors, toi tu t'en vas. Toi tu t'en vas. Et toi aussi. Non, lui. Non, ça c'est une épave. Allez, ciao. Le super tir est un peu trop violent à la limite. Alors, évitons les lumières, sinon ça fout l'alerte. Ouais, je suis en phase infiltration, les gars. Oh putain! Il m'a mis cher quand même. Je crois que la phase où je vais mourir, c'est celle où on ne tire pas, ça va être magnifique. Bon, vite de la life. Regardez-moi ça, c'est une soucoupe volante. Je vais pas faire mon feu, je crois, dans ce coin-là. Il y a de la vie là-bas, mais là où il y a de la vie, il y a des tirs. Pour l'instant. Hop, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Oui. Ah oui, ça tapait, là. Ça commençait à taper méchant. Bon, enfin, n'empêche, ce Cloud Cutter, il est chouette, il est bien réalisé, il est propre, mais c'est un produit de store, c'est pas un produit pour mettre dans une collection de shmup chez un shmupeux, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera jamais. Donc essayez-vous-y si vous voulez, petit passe-temps pour les mômes, sympa, maintenant pour les vrais shmupeux ardus et confirmés, je pense qu'ils seront encore plus méchants que moi. Playlist, bouton d'abonnement. Oh, regardez la sortie.